So welcome to the second Lightning Talk session. I'm going to Bienvenue à la deuxième session des Lightning Talks. For all the speakers, please sit in one of the front rows so you can get on the stage quickly to deliver your talk. Pour les speakers, je vous prie de vous installer devant la scène de manière à ce que vous puissiez rapidement arriver dessus. Parlez bien dans le micro. Ne vous tournez pas pour regarder les slides. Talk. So you can see your slides down on the screen here. Maybe it could be that you are too small, then just move a bit to the side and you can see them. Use the clicker to advance the slides. Utilisez le bouton pour faire avancer vos slides. Finish on time, which is very important. Essayez de terminer à temps. C'est très important. Nous avons beaucoup de talks. Then get your applause and leave the stage. Prenez vos applaudissements et veuillez quitter la scène juste après. Thanks. Merci à tous. But I'm not going to leave yet. Je vais pas partir tout de suite. J'expliquerai à l'audience comment écouter les Lightning Talks. Keep in mind all the announcement I just Soyez excellent avec chacun d'entre vous. But also watch the timekeeper. The timekeeper. Regardez le timekeeper. C'est l'objet devant vous. Vous avez également une représentation sur l'écran. Chaque speaker a 5 minutes. Alex, would you take over? Yes, of course. Good morning, everybody. Bonjour à tous. The last talk yesterday with Petaloon, we decided to try a more speaker-friendly and more appreciative approach to canceling a talk. You know more. Avec le dernier talk d'hier, nous avons laudate them out. So we try to use some applause to stop the talk. Nous avons été obligés d'interrompre un talk. For the speakers, as long as the timekeeper is in the green area, you are in the first 4 minutes of your talk. You have plenty of time. Tant que le timekeeper est vert, vous avez plein de temps qui reste. Quand il passe en jaune, il vous reste une minute. Seconds of your talk when they start to get red. So if Et quand il commence à être rouge, il vous reste très peu de temps. We tried a new approach. 5, 4, 3, et ensuite, l'audience annonce 5, 4, 3, 2, 1, applaudis. I think this might work. Yeah, I think so too. Because we noticed that most speakers are already on their contact slide and when we buzz them out, it's not Beaucoup des nice, speakers so sont dans le contexte de leur présentation et peuvent oublier la fin du talk, prendre leur applaudissement et partir. So a very awesome job by the translation team. Please give them a huge round of applause. Veuillez remercier les gens de la traduction qui font un formidable travail. We will have the German talks translated into English, the English talks translated into German. Nous aurons les talks allemands qui sont traduits en anglais, les talks anglais traduits en allemand, et nous aurons également une traduction en français. Vous pouvez voir les traductions sur c3lingo.org. Je pense que nous pouvons commencer avec le premier speaker. Which is Saturday. Le premier speaker est pour Saturday, qui est un jeu de mots pour Saturday, qui veut dire samedi. Oh, good morning, everyone. Bonjour Thanks à tous, so merci d'être ici aussi tôt le matin. Je viens ici pour vous parler d'un petit projet sur lequel je travaille qui s'appelle Saturday. Et donc je vais vous parler un petit peu. Donc c'est une conférence d'une journée qui va arriver à Berlin l'an prochain. Donc je vais vous parler un petit peu de la conférence, sur quoi c'est, et comment est-ce que au final je me suis retrouvée à organiser une conférence, pourquoi je pense que c'est intéressant pour vous, la philosophie et puis derrière la conférence et pourquoi c'est open source. Et donc R, c'est un langage de programmation pour les statistiques. Et les graphiques. À l'heure actuelle, c'est gratuit et open source, donc c'est du free software libre. Ça fait à peu près 25 ans maintenant qu'il existe. C'est utilisé dans la recherche, dans l'industrie. Google, Airbnb les utilisent. C'est un peu partout, c'est un langage qui est très utilisé un peu partout. Moi, c'est Noah, je viens de Berlin. Et comment je me suis retrouvée à utiliser tout mon temps libre et aussi mes amis, le temps libre de mes amis, de mes collègues et de plein de gens que je viens de rencontrer
Comment je me suis retrouvée à utiliser leur temps? Alors d'abord, ça a commencé avec Air Ladies, qui est un meet-up à Berlin aussi. Et c'était un effort à la base commencé par la communauté Air pour promouvoir plus de femmes, pour que plus de femmes contribuent au code de R et pour que les femmes se retrouvent, se disent que c'est une communauté qui est pour elles et qui peuvent rejoindre. Donc on a commencé à faire des meet-ups et des programmes pour les aider. Et je pense que, personnellement, je pense que c'est un des meilleurs travaux que j'ai fait de cette année. Alors voilà, j'étais volontaire et voilà quelques photos de ce que j'ai fait et ça ressemble à ça. Donc c'est vraiment sympa, si vous voulez contribuer, n'importe qui peut rentrer. C'est juste les organisatrices qui doivent être des femmes et à part ça, n'importe qui peut venir. À ce moment-là, un petit peu plus tard, j'ai commencé à être volontaire à Air Forwards, qui est un groupe de gens qui travaillent pour aussi inclure plus de diversité, donc pas que les femmes, aussi les gens qui s'identifient en tant que LGBT, et aussi des gens qui sont dans des minorités qui ne participent pas forcément, donc pour les intégrer. Cette année, je suis pour la première fois en dehors de Slack et GitHub. Tous les utilisateurs que je connaissais, c'était des gens autour de moi. Donc, en allant à un meet-up à Budapest, deux ans avant, c'est là où le premier événement était à Budapest. Et j'ai trouvé que c'était vraiment sympa de rencontrer plein de gens en vrai que je connaissais que en ligne. Il y a encore plein d'autres communautés qui sont pas forcément dans certaines villes. Il y a R4 Ladies par exemple qui est en ligne. Il y a plein de gens qui utilisent R. Donc je me suis dit, c'est vrai que ce serait bien de faire une conférence similaire à Berlin. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que Saturday ce serait cool d'organiser ça. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée à faire ça. Alors, pourquoi est-ce que j'aimais beaucoup cette idée de faire une conférence? Alors, c'est particulièrement avec mon expérience avec les Air Ladies. Je me suis dit que, vu que je voulais pas faire juste une autre conférence sur le sujet, parce qu'il y en avait déjà plein, c'était plus... on va faire en sorte que le plus de gens possible puissent venir et partager leurs idées. Alors, comment on a fait ça? On a fait attention à ce que ce soit complètement fait par des volontaires. C'est pas pour, on va pas gagner d'argent avec. Et si on en gagne, on le redonnera à des organisations. Si ça nous coûte pas grand chose, on le garde. On fait en sorte que tous nos coûts soient légers. Et on fait vraiment attention à ce que les femmes, les minorités, les gens qui s'identifient en tant qu'LGBT et les gens qui ont des handicaps puissent venir et rejoindre et aider. Et je pense que c'est vraiment intéressant. Donc on a plein de ressources. Il y a plein de ressources en ligne qui sont disponibles pour aider à comprendre comment intégrer le plus possible de gens dans vos événements. Donc je vous conseille d'utiliser DISC et vous pouvez aussi utiliser d'autres ressources pour organiser des conférences comme celle-là. Et voilà, donc je pense que c'est tout. Et voilà, ça c'est notre équipe. Et voilà, si vous voulez plus d'informations, regardez ça. Et si vous voulez nous aider, s'il vous plaît, contactez-nous ici. Thank you. Next up is Psy Sector. Le prochain talk va couvrir le secteur PSI ou le secteur public d'information. Bonjour. Je vais vous parler du sujet de l'information dans le secteur public. C'est, si quelqu'un se demande ce que c'est les données ouvertes qui sont disponibles dans toute l'Europe. Donc, ce qu'on fait, c'est que on utilise les données publiques, mais on protège les données privées. Moi, je travaille dans la Open Knowledge Foundation. Donc, on gère plusieurs sites internet sur la protection des données. Qu'est-ce que c'est les données ouvertes, l'open data?
c'est des données qui sont disponibles et qu'on peut utiliser pour créer un business. Voilà la liste de ce qu'on demande. Donc, on pense que tout ce qui est financé par de l'argent public doit faire partie des données publiques et doit être rendu public. En décembre, il y a eu une décision qui a été prise et on pense vraiment qu'il doit y avoir un engagement politique pour la libération des données. Une des choses sur laquelle je me penche, c'est les données publiques d'utilisation des transports en commun, parce que c'est un secteur très très vaste en Allemagne. Voilà le pour l'Allemagne en 2018, voilà les différents secteurs qui partagent leurs données et où les données de transport public sont disponibles. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et on peut étendre ça à toute l'Europe. On pense qu'il y aura probablement les premières formes de vie sur Mars avant qu'on ait le partage des données publiques d'utilisation des transports publics. Donc on espère vraiment l'open source, open data. Et par exemple ici, on a une plateforme pour Helsinki qui a été entièrement publique. On a Meran en Italie avec 15 000 personnes. Et Helsinki a été tellement en avance pour le développement de sa plateforme. On pense qu'il faudrait vraiment étendre tout ça à l'intégralité de l'Europe. Et c'est pas uniquement pour les transports publics, mais également les investissements publics dans les sociétés, les services publics dans les médias. Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que ce serait vraiment important d'avoir des données publiques sur une infrastructure. C'est important de parler aux politiciens localement et nous, on est intéressés pour tous vos feedbacks. Donc voilà, j'ai encore un peu de temps, donc on peut passer aux questions-réponses. Any quick questions right now? Des questions? I don't see any hands. But we're always happy if we are a bit short on time because... C'est toujours bien s'il nous reste un petit peu de temps. Merci. Next up is password strength meters. Le prochain talk sera à propos de la fiabilité des mots de passe. Alors, on va parler aujourd'hui des mots de passe. Alors, on est en 2018 et on peut dire que les mots de passe sont ici pour rester. On s'est dit ça depuis longtemps. On s'est quand même dit que les mots de passe, ça peut être pas si mal. Et avec surtout comme méthode d'authentification unique. Alors, comment est-ce qu'on mesure la fiabilité d'un mot de passe? Alors, on utilise des métriques qui s'appellent les password strength meters, donc la fiabilité, des métriques de fiabilité de mot de passe. Dans la communauté des hackers, on en parle beaucoup, mais on ne sait toujours pas qu'est-ce qui est une bonne façon de créer un mot de passe. Donc ici, par exemple, sur GitHub, c'est un password strength meters. Et donc, en rouge, c'est ce qui a écrit. Et donc, au fur et à mesure, quand ça correspond à ce qu'on a écrit, ça va changer ce que ça affiche. De l'autre côté, c'est GMX, que j'ai essayé de créer un mot de passe hier pour en créer. Donc, j'ai mis ça. Et j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on m'a dit que c'était vert. Donc, ça m'a surpris. Mais bon, ça, c'était considéré comme étant un très bon mot de passe. Ce qui m'a étonné en 2018. Alors, on essaye de rendre ça mieux. Donc, on a un outil open source qui
permet d'essayer ça, de prouver qu'un mot de passe est pas prouvé, de dire si un mot de passe est fiable ou pas. Et donc ça va utiliser des listes de mots de passe connues qui sont utilisées souvent. C'est assez léger, ça peut être intégré très facilement sur un site internet. Mais c'est une approche qui est importante, donc c'est important de faire attention que ce soit fiable pour de bon. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser pour notre métrique de fiabilité des mots de passe. Alors, quand on a pensé à comment faire pour évaluer un mot de passe, on s'est dit, mince, on a un problème. Donc, en science, une façon d'évaluer une hypothèse, c'est de faire une expérience. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de vous. On lance une compétition de mots de passe. Donc, on va essayer de voir si vous pouvez casser notre outil. Et on veut aussi utiliser vos connaissances pour améliorer notre outil. Donc, ce qu'on veut faire, c'est générer des mots de passe par des gens qu'on connaît, nos parents, nos familles. Comme ça, on n'a pas de biais. On leur demande d'écrire quelques caractères. On essaye d'utiliser un peu de hash qui sont connus pour voir. Et donc, nous, ce qu'on veut voir, c'est que vous travaillez en équipe ou tout seul, que vous utilisez les outils que vous aimez bien, dont vous avez l'habitude. Mais en tout cas, vous essayez de casser notre outil. Donc, ce qu'on veut à la fin, c'est le texte en dur pour montrer que vous aviez trouvé le mot de passe et pour prouver que vous avez réussi et nous expliquer comment vous avez réussi. Et donc, on a bien sûr des prix pour vous remercier si vous réussissez. On a des t-shirts, on a des gift cards, et plein de choses comme ça. On a aussi un ThinkPad, mais qui est un peu vieux, donc vous pouvez l'utiliser comme une brique. On a des Nerf guns, qui sont les jouets. Et on a aussi plein d'autres choses dont on ne sert pas, et donc on va les donner gratuitement. On peut les donner partout en Allemagne, mais ce serait quand même bien que vous veniez nous voir directement à notre bureau. Et donc, vous pouvez aller sur cette adresse que vous voyez là. Et donc, il y a une liste de hash. Et donc, vous pouvez regarder et commencer à essayer de hacker les mots de passe. Merci. Next up would be Netlink and Go. Prochain talk sur Netlink and Go. Hello everyone, good morning. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler de Netlink and Go. Je m'appelle Florent. If you take a look at the web servers around the world, this is the kind of code you will see nowadays. It's basically in this kind of. Si vous regardez ce genre de code, c'est le code que vous pouvez trouver pour pour faire tourner un site web. Mais est-ce qu'il est possible de monitorer le nombre de sessions que j'ai à un moment et quelle quantité de trafic je possède à l'heure actuelle? Il y a deux solutions pour ça. Vous pouvez blow up the code completely and make it really hard to understand at the if you want to make sure that the next person you hire can also understand the business logic of your web server. Vous pouvez améliorer votre code pour essayer d'insérer les indicateurs qui vous permettront d'avoir ces informations, mais vous risquez de faire en sorte que la prochaine personne que vous embaucherez ne puisse lire ce code-là. Some kind of tracking of sessions. And why don't you use this kind of API? Ce qu'il vous faudrait, c'est une API particulière pour traquer et monitorer ces compteurs. Netlink est une API qui communique directement avec la couche réseau au niveau kernel et qui permet de récupérer ces informations. Subgroups you can use for that are based on the Netlink protocol. For example, there's Netlink route
Netlink crypto, where you can change crypto settings, internal crypto settings of your computer. There's also vous pouvez aussi modifier des compteurs. Vous pouvez récupérer des compteurs de cryptographie et modifier des paramètres de crypto au niveau du noyau. And there are divided into three parts basically, NFLock, NFQ, and contract. Maybe if you worked with IP tables, you heard of them. And in Go, you can now basically use. Maintenant en Go, vous pouvez directement to directly communicate with the kernel. Communiquer avec le noyau. Pour mesurer vos sessions. Combien de temps met-elle à s'établir? Combien de temps dure-t-elle? Mais pour faire ça, vous êtes complètement obligé de modifier, de réécrire votre serveur web. In difference to most byte streams, the combination is the length, type, and value, not the type, value, type, length, and value. So this is a little bit different to most protocols you maybe know. And but it's basically all the same. So you just have to take a look at the length, check the type, and then you have the value. Value can be anything, can be from byte. C'est à la différence d'autres protocoles, c'est une combinaison de longueur, de type et de valeur. La longueur peut être assimilée à plusieurs variables, plusieurs informations. Qui sont récoltés sur les différents compteurs qu'on a récupérés au niveau du kernel. Ici, on a un exemple avec NFLog sur le groupe 100, avec l'ID 100. On a, pour éviter qu'on fait tourner le processus 30 fois pour éviter que ça tourne à l'infini, et on récupère les informations sur un compteur particulier. Et ça évite de modifier le serveur web. On peut assimiler ça à un serveur web Java ou en PHP, par exemple. Vous pouvez trouver plus d'informations sur ces différents liens. Sur GitHub, vous pouvez trouver l'outil. Et si vous voulez me pinguer, je suis Florian et je suis content de prendre toutes vos questions. Merci. Prochaine session sur le food hacking, le hacking de nourriture. Again? Okay. Hello everyone. My name is František Algor Apfelberg. Bonjour à tous. Je suis František Algoldor Apfelbeck et je vais vous présenter le Food Hacking Base. C'est, cette année, on a fait 7 différents congrès. On a commencé au 27C3, au congrès du 27C3. Et c'était vraiment sympa de faire partie de cette communauté autour de la nourriture et les boissons. Et, au 33C3, on était sur le toit du Hall H. Donc je trouve ça beaucoup mieux ici parce qu'il fait plus chaud, on a de l'eau chaude et je ne sais pas qui d'entre vous est déjà venu au Food Base, Food Hacking Base. C'est un peu serré à la fin du congrès quand les gens nous ont finalement trouvés, mais c'est déjà mieux, ça s'est amélioré cette année au niveau de la place. On voudrait parler de cette année qui vient de se terminer et de l'année prochaine. On sera présent au New Line à Ghent. For us.
On est un groupe basé sur les donations, donc si vous voulez nous supporter, c'est bien pour nous. Si vous ne nous supportez pas, bon, tant pis, on va se débrouiller. On sera au Free 3D Camp en Belgique également. C'est un événement plus familier. Je ne sais pas combien d'entre vous sont déjà allés au EMF. C'est un peu différent. C'était vraiment bien. On a fait un événement sans cuisine parce que c'était un peu compliqué d'amener tout notre matériel de cuisine en Angleterre, au Royaume-Uni. Donc ici au 35C3, on a vraiment un super spot. Vous pouvez nous trouver dans le Hall 2. Hall 2, dans les assemblées. On a été vraiment surpris du nombre de personnes qui viennent nous voir, et surtout des motivations de notre groupe. C'est vraiment le premier event où on n'a vraiment pas grand-chose à faire. C'est vraiment les gens qui s'occupent de tout qui font tout du début à la fin. On les guide juste un peu et on leur montre ce qu'ils peuvent utiliser. Maintenant, on est en train de terminer le congrès. J'espère que ça va bien se passer, qu'on pourra financer les projets pour l'année prochaine. On aimerait bien être au CEM, bien sûr, 2019. On va faire du kombucha et du bœuf séché. On aimerait faire un projet de fermentation également, fermentation mobile. Je l'ai déjà présenté auparavant. Vous pouvez imaginer une sorte de food truck, mais avec plein de différents workshops et plein de différents snacks disponibles. Un des projets que j'aimerais diriger avec le support d'autres de mes collaborateurs. Vous pouvez nous supporter si vous voulez nous parler. Vous pouvez nous envoyer un mail. Vous pouvez venir nous trouver ici. Vous aurez une réponse tôt ou tard. On est un peu partout, donc dans différents events, différents congrès, différents rassemblements, et on aimerait vraiment que les gens s'impliquent avec nous, parce que de mon expérience sur ces dernières années, je dois dire que s'occuper de soi et de ce qu'on mange et faire un peu d'exercice, ça aide vraiment. Donc, je vous dis, tous ceux qui sont derrière les bureaux, occupez-vous de votre santé, ça vous facilitera vraiment la vie. J'aimerais du coup tous vous remercier de m'avoir écouté, d'avoir écouté ce que j'ai à dire. Et venez nous voir au Food Hacking Base. Merci, bye. Next up is... Le prochain sera Getaviz. I don't know. We'll see. Résoudre vos problèmes d'ingénierie en trois étapes. Hello, I'm here to present Getaviz. Bonjour, je suis là pour vous présenter Getaviz. C'est un projet de recherche et open source sur les problèmes d'ingénierie software. Tout d'abord, nous collectons énormément de données à propos de notre projet logiciel. Ça peut être n'importe quoi. Alors, il s'agit de produire de la donnée brute. Nous pouvons nous connecter à beaucoup de sources de données différentes, ainsi qu'à des versions des systèmes de versionning, des systèmes de test, des rapports de test, des bases de données.
le but étant toujours de trouver la solution à votre problème. Ensuite, nous visualisons la donnée. Nous avons plein de dashboards pour présenter les données de différentes manières. Sur le côté droit, vous pouvez voir une analyse pour les antimodèles, pour un antimodèle. La visualisation est supposée vous aider à comprendre votre problème. Comme vous le savez, comprendre le problème, c'est déjà à moitié résoudre ce problème. Pour ça, nous proposons une interface simplifiée qui va vous permettre d'explorer vos données. D'habitude, je fais une démo en live du projet, mais là, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Donc, vous pouvez nous retrouver sur http bit.ly/getavis. Essayez-le. Il y a une quatrième étape. Nous sommes connectés à plein de communautés. Nous participons énormément. Et nous allons participer en 2019 à une compétition de coach organisée par Google très bientôt. Merci. Next up is Zigrock. Le prochain, ce sera Zigrock. Zigrock. Par Soren. Okay, hello everyone. Bonjour à tous. Mon nom c'est Zuren et je vais vous parler du projet Zigrock. Comme vous pouvez voir ici, on essaye de supporter le plus possible d'appareils différents et surtout les appareils qui permettent de mesurer des choses. Donc on a des multimètres, des analyseurs de plein de choses. Pour l'instant, on a plus de 200 appareils qui marchent. Alors, comment on fait ça? Alors, si on regarde la stack logicielle de notre logiciel, on peut voir qu'il y a une partie principale qui propose une API unifiée pour tous les composants. On peut accéder toutes les données depuis les différents composants grâce à l'API. Donc, on voit qu'il y a des libUSB, enfin, vous voyez ce qu'il y a sur l'écran. Et donc, on a ces petites librairies, mais on a besoin d'accéder à ce qui se passe en dessous de ces librairies. Donc, en dessous de ça, on a des librairies et qui essayent de communiquer directement avec les appareils et essayent d'utiliser les données et de les utiliser d'une certaine façon. Mais on voit ici qu'il y a la lib Zigrock Decode. Et donc ça, c'est une librairie à côté de lib Zigrock qui utilise les décodeurs, qui propose les décodeurs. Et donc ça utilise Python et libgrick. Donc la première partie dont je voudrais parler, c'est l'outil en ligne de commande qu'on utilise pour récupérer la donnée, la convertir, l'afficher. Donc c'est vraiment très scriptable. On peut tester les choses automatiquement ou faire ce qu'on veut avec. Ensuite, un autre client qu'on a, c'est Zigrock Meter, qui est fait pour être utilisé avec plusieurs outils pour récupérer des données. On peut faire vraiment ce qu'on veut avec. Il y a plein de fonctionnalités déjà, mais on a quand même besoin d'autres fonctionnalités. Donc si vous êtes intéressé pour contribuer, parlez-nous. Un nouveau client, c'est
SMU View, qui est un programme qui permet d'émuler les données qu'on pourrait récupérer d'un appareil. Je ne l'ai pas encore utilisé moi-même, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je vous propose d'essayer. Un autre client encore plus récent, c'est le SIGROC Mini Server, qui permet de récupérer tous ces appareils depuis une interface. Donc ici, par exemple, on peut voir plusieurs appareils et on peut voir Node-RED qui permet de nous montrer ce qu'on a et ça affiche l'utilisation électrique de nos appareils. Donc là, c'est le client le plus populaire, finalement, c'est PulseView. C'est disponible sur Windows, Linux et Android, donc c'est plutôt flexible pour ce qu'on peut faire avec. Et ici, on peut voir une organisation très standard de ce qu'on peut utiliser. On peut voir qu'il y a des analyseurs logiques. On peut voir qu'on a rajouté plusieurs appareils qui permettent de donner des informations de manière qu'on puisse utiliser et qui soit utile. Alors, je ne suis pas sûr que vous allez tous comprendre, mais en fait, ce qu'on fait pour faire ça, c'est qu'on va un peu plus loin et on peut utiliser directement des protocoles en Python. On peut utiliser pour utiliser encore plus les données qu'on a et en faire quelque chose. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un DF7 dessus. Et grâce à ce composant électronique, on peut récupérer directement les données et comprendre ce qui se passe avec directement en Python. Donc c'est plutôt sympa parce que grâce à ça, on peut avoir un oscilloscope n'importe où et avec juste le périphérique qu'il faut. Et avec ça, on peut faire de l'analyse dessus. D'habitude, c'est pas supporté, mais avec notre outil, on peut. Avec juste le périphérique qu'il faut, on peut convertir sur d'autres protocoles qu'on connaît pour d'autres choses. Ce que je voudrais montrer aussi, c'est que différentes choses qu'on a affectent différents appareils qu'on a, ont des prix différents, affectent le prix. Et donc ici, grâce à ça, pour 10 euros, on peut avoir déjà tout ce qu'il faut. Et là, on a à peu près une centaine de protocoles qui sont déjà disponibles et plein de fonctionnalités. Et c'est juste 10 euros, donc c'est plutôt cool. Et pourquoi c'est SIGROC est aussi populaire, c'est que c'est pas si cher, 10 euros. Alors, quelques exemples qu'on a, c'est ARM-ITM. Donc, on peut l'utiliser pour afficher du code directement. Et donc, ça marche en USB aussi. Et donc, si vous voulez fonctionner avec quelque chose, c'est qu'on essaye d'être un peu une licorne magique, qu'on peut faire tellement de choses et on a plein d'opportunités pour vous. Donc, si vous voulez nous voir, venez nous voir, voilà les informations. Vous pouvez nous trouver sur IRC et au Congrès. Merci beaucoup. So then next up is prochain talk. Datenkrake gefunden und nun a German talk, so le you might want to check out the translation page. Kraken de données a été trouvé et maintenant. Oui, bonjour. Bon, vous voulez pas vraiment entendre mon anglais, donc je vais vous le faire en allemand. Donc, je m'appelle Alvar Freude, je suis chercheur dans les données de la vie privée. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont déjà tombés en analysant un logiciel ou un navigateur qu'il a trouvé que des données personnelles étaient collectées et envoyées qu'il ne voulait pas forcément divulguer. La loi aujourd'hui l'interdit. Donc sans l'acceptation, sans que l'utilisateur n'accepte de partager ses données privées, il est complètement illégal pour un logiciel ou une application de partager les données. Il y a beaucoup de choses aussi que l'utilisateur peut faire lui-même en vérifiant quel type de données sont envoyées et qu'est-ce qui n'est pas correct. Par exemple, on a aussi un engagement sur la sécurisation des données.
Donc c'est l'article 32 et on a aussi une, on est aussi forcé à créer, à respecter la vie privée par défaut et par design. Donc au Baden-Württemberg, on a les premières amendes sont tombées pour des entreprises. Ici, c'est par exemple une entreprise qui, d'un service web, affichait les mots de passe de ses utilisateurs en clair. Donc, c'était une petite amende parce qu'ils ont vraiment bien coopéré. Et c'était une petite entreprise, donc ils ont coopéré, ils ont résolu le problème. Pour une grosse entreprise, ça peut être des amendes énormes. Ça peut être 20 millions d'euros facilement ou 10% du capital ou des bénéfices mondiaux. Les appareils, différents appareils qui ne sont pas chiffrés, ou comme les clés USB, les différentes données médicales par exemple qui ne sont pas chiffrées et envoyées par email, les données des utilisateurs qui sont revendues à des personnes tierces, par exemple Facebook, les données Facebook revendues à des sociétés publicitaires. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sécuriser bien sûr tous ces appareils pour éviter qu'il y ait des données qui sortent sans votre autorisation. On peut aussi bien sûr porter plainte aux différentes commissions qui sont responsables pour la sécurisation des données porter plainte contre les organismes qui collectent les données à l'insu de l'utilisateur. On peut avoir vraiment des grosses amendes aujourd'hui et les institutions, les commissions doivent s'occuper de vos cas si vous faites une dénonciation ou si vous portez plainte. Par exemple, nous, c'est possible si quelqu'un vient nous parler au Baden-Württemberg, on va le transférer dans d'autres lenders si les applications, les services responsables sont hébergés ailleurs. Ce qui est important, c'est que dans chaque organisme et chaque organisme de surveillance d'État, il y a des techniciens spéciaux, spécialisés dans la sécurisation des données, dans la sécurisation d'Internet. Donc, il y a des gens qui comprennent de quoi il s'agit. Ils savent aussi analyser un dump TCP. C'est quelque chose qu'ils peuvent faire sans problème. Donc, il faut vraiment envoyer avec un maximum de détails et un maximum de trace. Et on peut aussi le faire de manière anonyme. Donc, si vous voulez pas mettre votre nom, par exemple, si vous voulez dénoncer votre propre entreprise et vous avez essayé de communiquer avec votre patron, mais il vous a pas écouté et vous voulez dénoncer une faille de sécurité au sein de votre société, vous pouvez le faire anonyme. On peut aussi poser des questions, bien sûr, sans parler de dénonciation ou de plainte. On peut poser des questions pour demander qu'est-ce qu'une violation des données privées. Vous voulez en savoir plus, on a une session dans la salle M3 de 18h30 à 20h ce soir. On a aussi vous pouvez chercher Datenschutz dans le wiki, vous allez trouver d'autres sessions aussi où on parle d'autres problèmes autour de la protection des données. Donc à ce soir dans la salle M3. Merci. Pour la prochaine session, Borg backup. Borg. Donc, je vais utiliser le mot backup qui veut dire des sauvegardes qu'on met de côté et qu'on peut réutiliser à tout moment. Donc, backup. So. Hi. Bonjour. Alors, je voulais juste parler un petit peu de Borg backup. Alors, sur les premiers slides, je vais parler un petit peu de ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas. Moi, c'est Thomas. Et donc, alors, vite fait, c'est un outil de backup. Et donc, d'habitude, en général, on l'utilise en ligne de commande. On peut faire plein de choses avec. Récemment, beaucoup de gens
on commençait à travailler sur un outil visuel, un client visuel. Donc si vous préférez juste cliquer et pas utiliser la ligne de commande, vous pouvez utiliser l'outil graphique. On a aussi, on supporte plein de systèmes de fichiers. Et on a aussi de la compression, de l'authentification. On fait de la déduplication. Et en général, on peut lire les données sur un système de fichiers, soit sur d'autres serveurs en SSH, soit sur des disques locaux. Une autre fonctionnalité qui est bien, c'est qu'on peut utiliser Fuse pour récupérer les données et les backups. Donc, si on n'a pas de serveur à distance, il y a plein d'entreprises qui proposent le service. Donc, on a des nouveaux, on propose BorgBase.com, qui est un nouveau. Mais il y a plein d'autres alternatives que vous pouvez utiliser. Il y en a plusieurs qui ont aussi des outils, des clients visuels que vous pouvez utiliser juste pour cliquer. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aussi en chercher d'autres. Et si vous pouvez aussi en utiliser plusieurs, et vous pouvez en utiliser plusieurs outils différents et faire de la synchronisation entre les deux. Et comme ça, vous êtes sûr que ça marche pour les deux. Si vous préférez avoir quelque chose dans le cloud, on peut d'abord créer un repo local et ensuite on peut le mettre sur le cloud plus tard en utilisant notre clone. Et donc, si vous avez aussi votre propre serveur, vous pouvez aussi juste utiliser SSH. L'outil visuel graphique, le client graphique, s'appelle Vorta. Il est fait en Python avec Qt. Ça a été testé sur Linux et macOS. Et on espère que dans le futur, ça marchera aussi sur Windows. Mais il y a du travail à faire. Donc, vous pouvez aussi le montrer à vos amis, ça nous plairait bien. Notre outil qui s'appelle Borgmatic, ce qui permet de faire des fichiers de configuration par-dessus Borg. Si vous préférez des fichiers de configuration comme INI, vous pouvez utiliser cet outil. Il y a d'autres outils et d'intégration de scripts, et on a aussi un repo sur GitHub pour la communauté, et donc vous pouvez juste aller voir là-bas et contribuer. Alors, de manière générale, je dirais que c'est un projet communautaire. Donc, si vous aimez Python ou C, rejoignez-nous. Alors, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de développeurs. Donc, si vous voulez aider, vous pouvez, si vous savez coder, même si vous ne savez pas coder, vous pouvez aussi nous aider en testant. On a beaucoup d'outils de test et on utilise une intégration en continu. Pour tester, on utilise Vagrant. On a besoin de gens pour nous supporter aussi, pour nous aider à intégrer sur les autres plateformes, comme par exemple NetBSD. Venez nous voir si vous utilisez NetBSD. À l'heure actuelle, on a une version qui est plutôt stable. On peut la retrouver sur plein de distributions de paquets. Donc à l'heure actuelle, c'est la version 1.1. Donc ça, c'est... On a d'autres releases qui vont venir dans le futur, mais c'est plutôt juste pour rendre le code plus clair, plus facile à lire. Et on a aussi d'autres outils, mais qui seront plus séparés, qui ne seront pas dans l'outil de base. Alors, on a un nouveau projet qui s'appelle Helium, et on a besoin de gens pour nous aider pour ça, parce qu'on a besoin de changer des choses dans la crypto, et ça va être beaucoup, beaucoup de travail, et de faire du multithread, qui est aussi beaucoup de travail. On a aussi besoin de support de la communauté, parce que si vous savez utiliser Borg et que vous voulez aider d'autres gens à utiliser Borg, vous pouvez nous aider en vous rejoignant la mailing list. On a pas mal de petits bugs et d'issues sur GitHub. Donc si vous avez du temps, on a carrément besoin d'aide sur ça. Et on a aussi besoin de sponsors et de donations. Donc, je suis ici au congrès. Vous pouvez venir me chercher à l'Assemblée Python. Et donc, on n'a pas beaucoup de temps, mais vous pouvez aller sur le lien qui est à l'écran. Merci. Petit rappel. Vous pouvez télécharger les slides de nos différents speakers
where you can download the slides, visit the schedule, and so on. All right, next up is TUM exam. Oh, that was the browser. Let me just move that. That's why I prefer PDFs. So, voilà pourquoi je préfère les PDF plutôt que les présentations PowerPoint. You do best with PDF. It's portable. It's a document format. Okay. Let's go. Also zuerst mal, es ist ein PDF, ne? Okay, also mein Name ist Stefan Gunther, ich bin von der Technik. Donc bonjour, je suis Stefan Gunther de la TU Munich, l'université technique, et je suis en train de préparer une thèse. Donc sur un examen. Donc c'est en 2015, on a eu 1152 examens et en 2018 1693 examens à corriger. Donc c'est parce qu'on a plus d'élèves, bien sûr, 47%. On a eu 36 474 activités et en 2018 73 000, encore une fois par rapport au nombre d'élèves. Pareil pour les notations. La seule chose qui a baissé, c'est le papier, parce qu'on utilise plus de templates et plus d'activités numériques. Une chose qu'on a rajouté, c'est des quiz, donc des questionnaires à choix multiples qui n'existaient pas en 2015. Donc le type d'examen, voilà un exemple de nos examens. On a toujours des QR codes pour tout ce qui est à choix multiples. On peut scanner les documents remplis et on peut récupérer tous les résultats. Si quelqu'un est intéressé pour de récupérer et de voir comment marchent les QR codes, il peut regarder notre talk du 32C3 qui explique tout ça. On a rajouté des examens supplémentaires qui utilisent cette méthode. On est passé du QR code au code Data Matrix, qui est beaucoup plus flexible et qui permet des résultats plus complexes. On a un nouveau scanner de documents, Kodak, qui est vraiment très bien au niveau du hardware, mais le software est vraiment catastrophique. Du coup, on a aussi une nouvelle plateforme qu'on a développée pour visionner les résultats en ligne. On a aussi un nouveau type d'examination qui est faite sur des écrans tactiles. On a on supporte aussi tout ce qui est quiz et, comme je le disais, questionnaire à choix multiples. On a fait à peu près 7500 examens et quiz dans une période de 6 mois. On a une plateforme en ligne dédiée pour ça. On a des nouveaux types d'examination entièrement en ligne, entièrement digitalisés. On a un scanner aussi front-end. On a une synchronisation automatique avec une plateforme de visionnage. On a aussi une application iPad qui va bientôt sortir pour la correction digitale des examens. On a différents modèles supplémentaires qui sont disponibles et aujourd'hui le Lightning Talk. Si vous voulez parler avec nous, voilà où on se situe. Si quelqu'un est intéressé, il peut venir nous voir et on peut en parler. Merci. Irma, je révèle mes attributs. Oh, I'm already supposed to click the link. Okay, let's see what happens. You have been owned. No. Ah, okay. That's a PDF, right? Yeah, it's a PDF. You can also just. Okay, maybe I can put it here on full screen. Oh, okay.
Je vais vous présenter IRMA, projet open source qui vous permet d'offrir de l'authentification utilisable pour iOS et Android. Ça permet de signer et d'authentifier à partir de votre téléphone. Attributes from governments which you can collect, and you can then later prove those that information to others in a way that they can be sure that the information is correct, but also that. Avec IRMA, vous pouvez signer, authentifier des documents depuis votre téléphone. Vous pouvez apporter une preuve au gouvernement ce que vous avez. Vous voulez vous connecter sur un serveur web. Le serveur web se connecte à votre fournisseur d'identité. Le problème, c'est que des fournisseurs comme Google récupèrent vos informations. Donc, ce que nous proposons, c'est que vous récupériez toute l'information de connexion sur votre téléphone, que vous les révéliez vous-même au web store que vous voulez contacter ou sur lequel vous voulez acheter quelque chose. Nous garantissons la sécurité et l'authenticité des informations avec une signature digitale. Vous pouvez prouver. Vous pouvez prouver votre autorité sur ces informations avec un PIN, authentification à deux facteurs. Nous utilisons un système de credentials. And that makes that if you, as long as you have attributes that don't reveal anything about yourself, for example, if there's an attribute that says I'm over 18 or I'm a. Avec des attributs qui permettent de dire qu'on est, par exemple, plus de 18 ans, que d'autres informations sur vous. Grâce à ça, on peut savoir que c'est la même personne. Et donc, ces attributs peuvent être liés, mais en même temps, ça ne permet pas d'identifier quelqu'un. Avec ça, on peut minimiser les données. Parce qu'on montre que les informations dont on a vraiment besoin. Et uniquement ce dont on a besoin sur qui a approuvé de donner ces informations. Ça ne montre que ce qu'il faut. Et il faut consentir à dire vraiment ce qu'on veut donner. Donc on va sur le site ou sur le magasin en ligne. On regarde, ça nous dit, hey, est-ce que ce magasin veut vous savoir quelles ces informations-là ou ces informations-là sur vous? Et donc, tu peux dire oui ou non. Et donc, grâce à ça, ça va uniquement envoyer ça et ça va pas, il n'y aura pas d'autres outils tierces qui peuvent avoir les informations. On a aussi d'autres outils, on a aussi les signatures. Donc, c'est un problème depuis longtemps. On ne sait pas comment faire des signatures qui marchent. Et donc, grâce à ça, on a des infrastructures. Il y a beaucoup d'infrastructures qui font ça, qui gèrent les signatures et les clés privées. Et donc, avec notre outil, on va collecter ces informations. Par exemple, le gouvernement peut avoir ses propres signatures. Elles sont assignées directement au message. Et donc, je peux par exemple dire, j'envoie ces informations-là uniquement à mon docteur, et tu peux le mettre directement dans ta signature, et tu peux le prouver. Et cet attribut, et c'est directement le gouvernement qui va le gérer. Donc, on peut login avec un outil allemand que je ne connais pas. Et donc, c'est un outil décentralisé, beaucoup de gens peuvent le faire. On est un projet open source, plein de choses qu'on peut faire.
tout est fait en Go et on essaye de bouger certaines parties de Java et de modifier tout sur Go. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Si vous voulez nous rejoindre sur Slack, vous pouvez nous demander de nous inviter et vous pouvez télécharger l'application et contribuer. Merci beaucoup. Right, last talk before the break is going to be in German, auf Deutsch. La prochaine session sera en allemand. Pourquoi est-ce qu'on a imprimé des livres wiki pendant 2 ans? Bonjour, on a utilisé Wikibooks pour essayer de... d'imprimer des extraits et on a créé un livre. Le livre qu'on a choisi, c'est Les maths pour les non-freaks. Quelqu'un connaît quelques-uns. On est ici pas loin de notre design. Le but, c'est vraiment d'apprendre les maths de manière interactive et simple pour les collégiens. On a aussi des vidéos intégrées. Ce projet Wikibook appartient à Cerlo depuis peu. C'est une autre plateforme pour les collégiens et les lycéens. Comme on voit, ce n'est pas uniquement les contenus des supports, mais c'est aussi de rendre ces contenus disponibles, les rendre démocratiquement partageables. Comment ça fonctionne? On peut voir le nombre d'utilisateurs. On a presque 800 000 utilisateurs sur Cerlo, 110 000 utilisateurs de Math pour les non-frics, et le téléchargement du livre a été fait plusieurs milliers de fois aussi. Le projet s'est vraiment disséminé dans toute l'Allemagne. Nous, on est représenté à Dresde, mais on a aussi Berlin, Münster et Munich qui sont représentés. Donc, pourquoi est-ce qu'on a imprimé ce livre Wiki? C'est parce que on voulait avoir une alternative aux livres d'éducation qui sont souvent très chers. On peut trouver ce livre dans les différentes bibliothèques. Pourquoi on a pris 2 ans? Pourquoi ça nous a pris 2 ans? C'était vraiment pas si facile. On avait beaucoup de marquages sémantiques sur lesquels on est très fiers. Et on pouvait pas convertir ça pour simplement une impression. Parce que, par exemple, l'affichage des PDF et l'affichage des liens HTML ne pouvaient pas être effectués de la même manière. Donc ici, on voit toutes les données médias ici sont représentées en vert et les points jaunes sont des parties d'articles qui sont liées à d'autres articles au sein du livre. Et en orange, on a le livre en soi, donc les différentes pages et la structure du livre. Donc, on voit comme ça quelles sont toutes les dépendances et comment le livre est construit et quels sont les liens entre les différentes parties. Voilà comment le livre est constitué. On a donc injecté le livre dans un parseur et on a exporté tous les articles. Et on a un engin qui va nous donner tous les auteurs et les informations sur les sources. On a une plateforme qui nous a permis de créer tous les liens, une plateforme intermédiaire qu'on a designée pour qui est compatible avec Cerlo et qui nous a permis de parser les informations et créer des exports supplémentaires. On a pu, par exemple, avoir le format EPUB, ce qui nous a permis d'éviter d'avoir trop de liens différents. Si vous êtes intéressé de vous impliquer là-dedans ou de voir comment on fonctionne et comment on travaille, l'adresse mail générique de Cerlo, si vous êtes intéressé à soutenir ce projet. Si vous n'êtes pas loin de Dresde, venez nous voir, vous pouvez nous contacter tous les deux. Sinon, venez nous voir à l'AGDSN Assembly et vous pouvez aussi nous appeler sur nos DECT. Merci.
Talks. Alors, le prochain, ça va être OpenAge. Et on a déjà les slides. Alors, on va commencer. Hi everyone. Bonjour tout le monde, on est des développeurs de OpenAge. On a réimplémenté Age of Empires 2. Je suis Jonas et moi c'est Michael. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ça fait pas mal de temps qu'on développe une clone de Age of Empires 2. On a commencé en 2013. Et depuis, on n'a fait que ça. Notre jeu demande de récupérer les données, les fichiers du jeu original. Mais pour ce qui est de l'engin qui fait tourner le jeu, on l'a réécrit. On a plein de possibilités de faire des mods de jeu. Et celui qui est original, le jeu original est que sur Windows et assez limité, donc avec le nôtre, c'est un peu mieux. Nous, alors on utilise ces technologies-là. Alors on utilise C++. Il y a une interface visuelle qui utilise Python 3. On utilise Cython. On utilise plein d'autres technologies et on a aussi notre propre langage de description dont on va parler plus tard. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'heure actuelle. Alors, les dernières années où on a bossé dessus, on a fait 3 avancées principales. On a fait un nouveau renderer donc, qui affiche les fichiers. On a une nouvelle simulation de monde qui est complètement basé sur les événements, ça a été fait par Tomato, et on a une API de modding. Et donc toutes ces avancées, toutes ces nouveautés sont déjà publiées, et c'est assez visible, et on peut vraiment les voir, on peut vraiment les intégrer tous ensemble à l'heure actuelle, c'est vraiment, on est presque fini en fait, avec toutes ces avancées, on a presque fini. Alors le composant central de notre engin ressemble à ça. Ça, c'est le Game Entity. Et on voit que les habilités sont en vert. Et les bonus. Et donc ça, on peut voir les dommages. On voit que les habilités sont des entités fixes. On peut faire par exemple bouger, mourir, avancer. En pratique, dans notre propre langage qu'on a écrit, voilà comment ça s'écrit, c'est simplifié. On peut voir qu'il y a un villageois, on peut voir qu'il peut bouger, mourir, attaquer. Et donc, c'est pas défini ici, mais on l'a défini ailleurs dans le fichier. C'est possible qu'une entité peut faire tout, comme par exemple c'est possible qu'un arbre puisse faire plus de choses. Tu peux faire qu'un villageois peut couper des arbres, des choses comme ça. Donc, cette API, ça, c'est une overview de l'API. C'est une vue globale. Donc, ça nous permet de simuler complètement Age of Empires. Et donc, en vert, on peut voir les habilités. On a des nouvelles fonctionnalités comme gérer son inventaire. Donc on a implémenté tout ça et ça marche plutôt bien. On a aussi des gestions d'unités qui marchent plutôt bien. Sur notre système, on peut utiliser des conditions non linéaires et on peut les chaîner ensemble et on peut faire plein de choses avancées. Donc c'est assez intéressant. Là, peut-être, par exemple, ça c'est une technologie. Donc une technologie, c'est une entité, hein, comme tout le reste. Et donc, avec cette entité qui s'appelle technologie, on peut voir que ce qui est important, c'est update, donc c'est ce qui va changer. Et on a des patchs. Donc les patchs, c'est une fonctionnalité de notre langage qu'on a créé. Et donc ça nous permet de changer super rapidement des données dans la base de données. Donc là, par exemple, on voit que je rajoute des HP, donc des points de vie.
Et je vois que ici, je rajoute 15 points de vie. Et donc, quand cette technologie, donc cette entité technologie est activée, ça met à jour la data base de données. Avec le même trick qu'on a, on peut faire les attaques et la défense. Donc là, par exemple, on a des ranges d'attaque, des ranges de défense, et quand elles sont appelées, ça fait des dommages. Donc là, on peut faire des choses compliquées, comme par exemple, on peut transformer des choses, les paquets, les dépaquets. Donc tout ça, c'est géré par un engin d'événements. Et donc c'est un peu l'historique de toutes les choses qui se sont passées dans le temps, dans le passé, dans le futur. Et en fait, le client, ce qu'il fait, c'est qu'il va regarder la vue et faire un snapshot de cette vue. Et donc là, c'est les nouvelles choses qu'on va faire. Et on va convertir les données. Et donc, rejoignez-nous et contribuez. On va ajouter des choses super chouettes. Thank you. Next up is crypto payments in hyperinflation countries and beyond. Le prochain talk sera à propos des paiements en crypto-monnaie dans les pays à hyperinflation. Bonjour à tous. Merci d'être ici. Mon nom est Félix. Je suis de Dash, de l'ambassade de Dash Thailand. Je vais vous parler d'une manière à haut niveau d'une réalité bien terrestre. Les crypto-monnaies sont un des plus formidables exemples d'utilisage de la blockchain. C'est un challenge. Quand on parle de système de banque, on parle souvent de crypto-monnaie. Et il y a des nouvelles études qui disent que plus de 60% des tokens sont des crypto-monnaies comparé aux autres monnaies. Donc voilà un exemple de graphe. Donc on peut voir l'acceptance des crypto-monnaies dans le monde et on peut voir que ça a énormément augmenté. Donc si on voit les nombres de Bitcoin et des autres monnaies, c'est pas si élevé, mais on voit que ça monte. C'est assez difficile de récupérer des bonnes stats. On peut rajouter sa boîte si on accepte des bitcoins, mais pas beaucoup de gens le font. Donc, ce n'est pas forcément sûr, ces données. Donc, on n'est pas sûr que le nombre est bon et c'est difficile d'avoir un bon nombre de ce qui est utilisé dans le monde. Donc, sur Dash, on voit que l'utilisation principale, on peut voir que ça a beaucoup de sens que ce soit comme ça, parce qu'au Venezuela, ils ont eu énormément d'influence. Et donc, les gens ont beaucoup de mal au Venezuela. Et donc, s'ils ont besoin d'argent, s'ils ont besoin de beaucoup plus d'argent maintenant grâce à cause de l'inflation. Et donc, grâce à ça, Dash a eu de la chance de pouvoir augmenter. Et donc, si le pays a une inflation énorme, c'est sûr que Dash va être une opportunité géniale pour Dash. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi de plus en plus de pays. Il y a en Afrique. Donc, ça a beaucoup de sens qu'on puisse utiliser Dash. Mais pour moi, si on parle de mon business, c'est pas que les pays en inflation. On veut aussi avoir les autres pays. Donc on doit faire plein de choses en place, on doit gérer les taxes, gérer les lois. Donc si on parle directement aux magasins qui peuvent les utiliser, ils s'en fichent un peu des crypto-monnaies. Tout ce qui les intéresse, c'est que la solution qu'ils puissent utiliser soit simple et qu'ils n'aient pas grand-chose à faire pour que ça marche et qu'ils n'aient pas à rajouter des logiciels, qu'ils n'aient pas à rajouter des entraînements pour pouvoir comprendre comment ça marche. Donc c'est important que nous, on sache ce qu'ils veulent et qu'on puisse leur donner les outils dont ils ont besoin et qu'on puisse répondre à leurs questions. Parce que si on commence à utiliser des crypto-monnaies et que dans la rue, les gens l'utilisent, il faut que les taxes soient prêtes, il faut que tout soit prêt. Si on l'intègre avec les systèmes existants, il y a plein de choses à faire et c'est des questions qui sont ouvertes à l'heure actuelle.
Autre chose, c'est qu'on a commencé à faire les choses qu'il fallait faire, les petites choses faciles à faire. Donc on fait des petites choses comme par exemple rajouter un autocollant et on les met sur le magasin. Et en fait, les gens ont oublié en fait que ça existait. Ils savaient pas ce que c'était Bitcoin parce qu'ils ont oublié. Et même s'il y a l'autocollant, ça ne suffit pas. Donc c'est vraiment important qu'on leur donne du support en permanence et qu'on revienne et qu'on les aide à régler leurs problèmes. Et le problème qu'ils ont, c'est que ils veulent faire du business. Ils veulent avoir des gens qui viennent, qui veulent faire de l'argent. Ils veulent pouvoir vendre leurs produits. Ils veulent plus de clients. Et évidemment, à la fin, ils veulent des clients qui soient heureux et pour qu'ils reviennent dans leur magasin. Et donc c'est pour ça que notre approche en Thaïlande, par exemple, et au Venezuela, c'est qu'on ait un écosystème sain et que ça marche bien. Donc on a besoin qu'il y ait plein de choses qui marchent ensemble. Une chose, c'est les échanges. Il faut qu'on puisse récupérer son argent si jamais on a payé quelque chose qu'on ne veut pas. On peut avoir des choix. Est-ce que je peux regarder mon argent, ma crypto-monnaie, ou est-ce que je peux la mettre en d'autres monnaies? On doit avoir un moyen de les payer et évidemment on doit payer les taxes à la fin. Il y a quelque chose d'autre qu'on doit gérer, c'est aussi les communautés, les nouveaux utilisateurs qui arrivent. Et donc si les gens payent pas avec, donc s'ils arrivent et qu'ils découvrent ça, il faut que les gens du magasin puissent aider et comprendre ça. On n'a pas un écosystème qui marche, mais on essaye de le créer. Ok, merci beaucoup. Next up is Balcon. La prochaine session est sur la balcon ou le balcon. Bonjour, je suis Yelena de l'équipe de la balcon. Je veux vous présenter notre conférence qui prend place en Serbie à Novi Sad. C'est la septième fois l'année prochaine qu'on organise cet événement. C'est le Balkan Computer Congress. C'est la deuxième semaine de septembre, donc les 13, 14 et 15 septembre 2019. Qu'est-ce que la Balkan? On a eu une idée il y a 10 ans au CCC d'organiser une petite conférence en Serbie parce qu'il y a énormément d'étudiants. À Novi Sad, il y a une énorme université technique et on voulait partager avec eux l'expérience qu'on peut vivre ici, au CCC. Et on voulait utiliser la culture du hacking dans la région des Balkans et c'est ce qui nous a motivés à organiser ça la première fois. Et maintenant, c'est devenu un événement annuel. On peut dire qu'on a fait ça vraiment juste pour s'éclater parce qu'on s'éclate vraiment là-bas. Et on vous demande vraiment de nous rejoindre là-bas. L'année prochaine, si vous venez, voilà la date, le lieu, Novi Sad. En février, on va ouvrir les soumissions pour les sessions et les speakers seront choisis en juillet. Oui, on organise aussi la capture de drapeau. Vous pouvez jouer avec nous. Et vous amuser avec nous. Qui est venu cette année nous voir? On a eu des speakers connus. On a eu Wires, on a eu Mitch pour la soudure. On a eu Rob des US. La liste est longue. Si vous êtes intéressé par ce qu'on a fait les années précédentes, vous pouvez venir voir sur notre site internet les archives avec les vidéos que vous pouvez regarder. Donc vous pouvez voir à quoi ressemble le balcon. Vous pouvez voir qu'on s'éclate vraiment. On a, par exemple ici, c'est une tradition dans la deuxième journée, on fait de la dégustation de rakia. Donc si vous ne savez pas ce qu'est le raki, on peut vous faire goûter différentes sortes, distillées différemment. Et voilà, on organise les raki alix. Je vous informe simplement. Pourquoi Novi Sad? Parce que c'est ma ville d'origine, donc on a commencé à l'organiser là-bas.
C'est dans la liste des 10 villes à visiter l'année prochaine, donc c'est une belle ville. La nourriture est vraiment très bonne. Vous pouvez demander aux gens qui sont déjà venus nous voir comment est la nourriture. Vous pouvez voir que toutes les infrastructures et les hôtels sont vraiment pas chers. C'est très facile de venir en avion, ou c'est même à 3 heures de Budapest, donc c'est très simple de venir. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un email ou vous pouvez aussi venir sur notre site internet. Vous pouvez nous tweeter aussi. On est ici à la Balkon Assembly dans le hall 2. Vous pouvez nous retrouver. On a des super stickers aussi cette année. On a des flyers. Donc vous pouvez venir et vous pouvez parler avec nous pour savoir ce qu'on a. Ce qu'on essaye aussi, c'est de créer vraiment une grosse communauté. On a plusieurs hackerspace. On a aussi un lieu où on fait une assemblée également, avec où chaque hackerspace peut venir et vous pouvez être représenté à la balcon. On aime bien aussi les petites lumières, donc si vous voulez venir faire un peu de lumière, vous êtes les bienvenus. Donc souvenez-vous, 13, 14, 15 septembre, venez et venez vous amuser avec nous. Merci. Donc le prochain, ça va être faire des exploits de WPS PBC sur Windows 10. All right. Hi guys. Salut tout le monde. Moi c'est Georges. Je suis l'auteur de Wi-Fi Officer, qui est un framework pour accéder des périphériques de Wi-Fi. Donc ça c'est une attaque de association Wi-Fi. Donc, est-ce que vous connaissez Karma? C'est une technique d'association. Donc, en fait, c'est plutôt moins un man in the middle pour l'attaque. Mais il y a aussi d'autres attaques qui sont similaires. Donc, Karma, c'était Karma dont on parlait. Donc là, je veux parler d'une autre attaque qui s'appelle, je ne sais plus, et qui fait plus ou moins la même chose, qui fait un man in the middle. Donc, WPS PBC, vous savez ce que c'est. C'est une fonctionnalité qui permet d'associer un device à un accès Internet. Donc, on appuie sur le bouton et on appuie sur l'appareil, et c'est là où ils se synchronisent. Ça dépend, on n'a pas besoin d'en appuyer sur un avant l'autre, les deux ça marche. Et on a besoin de le faire dans les 120 prochaines secondes. Pas besoin de s'authentifier, c'est vraiment juste avec ça. Donc ça, c'est avec ça que ça marche. Donc ça peut être un laptop, ça peut être un ordinateur. On appuie sur le routeur et là, le point d'accès et l'association se fait et s'est connecté directement. Donc quel est le problème de ça? Le problème, c'est que n'importe qui peut appuyer sur le bouton plus rapidement que celui qui a accès au point d'accès. Et donc en fait, ça peut se connecter à un autre à la place. Et donc, ça, c'est comme ça qu'on fait une attaque de man in the middle avec WPS PBC. Donc, évidemment, il faut que quelqu'un appuie sur le bouton virtuel. Et donc, même si on n'utilise pas ça activement, en réalité, sur Windows 10, on est quand même vulnérable à ce problème. Alors, le problème, c'est que si on utilise un réseau WPS, automatiquement, sur Windows 10, il va virtuellement appuyer sur le bouton PBS pour vous. Même si vous ne voulez pas, ça va le faire pour vous. Donc, c'est juste un moyen pour eux de faire quelque chose plus facilement. Donc, c'est plus important que la sécurité, que ce soit facile à faire pour Windows 10, Windows 10. Et c'est pour ça, je vais vous expliquer du coup comment faire ça. Donc, d'abord, on dit qu'on se connecte au réseau WPA2. L'utilisateur n'a rien à faire. La victime, donc bien sûr, est sur Windows 10. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Donc, on va déconnecter la victime du réseau.
Donc, on peut faire, on peut crafter la méthode directement. Il y a plein de façons de faire la requête. Mais en tout cas, on veut déconnecter la victime. Une fois que la victime est déconnectée, on s'attend à ce que la victime clique sur le réseau pour réessayer. Et donc ça va être le même réseau avec le même nom. Mais en fait, c'est pas le même. Donc mais cette fois-ci, on va proposer WPS PBC. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Essayez de deviner. Évidemment, la victime va cliquer. Et ce qui va se passer, c'est que là, ça va cliquer sur le bouton WPS PBC parce que Windows le fait directement. Et donc, nous, on appuie sur le bouton aussi. Et là, du coup, ça va se connecter sur le nôtre au lieu de celui qu'il voulait. Donc, la victime, évidemment, va penser que c'est la fonctionnalité qui connecte automatiquement. Donc, c'est une fonctionnalité qui est connue. Ça va juste se reconnecter. Même si vous êtes connecté directement, ça va penser que c'est la même chose. Donc, ça va donner l'impression à la victime que ça s'est juste reconnecté automatiquement parce qu'il pense que c'est la même fonctionnalité. Donc, ce qui est marrant avec ça, c'est que le réseau peut être fermé et ça va quand même avoir le SSID, ça va être protégé par WPA, ça va connecter avec la fonctionnalité d'autoconnexion, mais en fait, en réalité, même si on a vérifié tout ça, c'est quand même un autre. Et en fait, Microsoft a décidé de s'auto-faire du mal en mettant cette chose automatiquement, d'appuyer sur ce bouton virtuel pour se connecter. On peut utiliser cette attaque avec n'importe quelle nouvelle version du Wi-Fi, et on peut faire ça vraiment très facilement. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Now next up is human connection. Le prochain, on va parler de Human Connection. C'est une plateforme open source, un réseau social open source pour les citoyens actifs. Okay, hello everyone. Ok, bonjour, je m'appelle Robert. Je suis développeur chez Human Connection, c'est un réseau social open source. Donc j'aimerais montrer quelques problèmes. Vous êtes utilisateur d'un réseau social comme Twitter. Vous utilisez ça comme la source primaire pour vous informer. Vous n'êtes plus du tout en contrôle de votre newsfeed. Pourquoi? Parce que Facebook, YouTube sont des entreprises privées. Le code source est fermé et les algorithmes déterminent quel contenu vous allez avoir le droit de voir et quelles informations on veut vous montrer. Et tout ce qu'on veut vous montrer. C'est pour ça que je demande que les réseaux sociaux devraient être libres et open source. La définition du software libre, du logiciel libre, c'est que l'utilisateur contrôle le programme. Quand c'est pas du logiciel libre, c'est le programme qui contrôle l'utilisateur. C'est le cas de Facebook, YouTube, Twitter. C'est pour ça que on développe un réseau social open source qui est financé par des donations. On peut quasiment s'auto-financer. On a besoin d'à peu près 30 000 euros par mois pour financer les développeurs et une dizaine de personnes travaillant chez nous. J'aimerais aussi montrer que le logiciel libre doit être financé par des donations. Facebook, pourquoi? Parce que Facebook, YouTube sont financés par la publicité. Donc ils vont implémenter des fonctionnalités qui ne vont pas forcément être dans l'intérêt de l'utilisateur. Le logiciel libre est dans l'intérêt de l'utilisateur, il est financé par l'utilisateur. Donc, les fonctionnalités développées seront alignées avec les besoins de l'utilisateur. Donc, Facebook va forcément vous montrer des publicités, ce qui n'est pas dans votre intérêt. Et ils vont aussi collecter toutes vos données, ce qui n'est pas non plus dans votre intérêt. Le logiciel libre ne va pas faire ça. On ne va pas collecter vos données, on ne va pas vous afficher des publicités. Et on ne va pas collecter non plus vos données. Et si on le fait,
on va le faire d'une certaine manière pour certaines raisons. Et vous pouvez voir notre code source sur GitHub pour voir exactement comment ça fonctionne. Donc, on est en train de faire une transition technologique sur notre produit. Vous pouvez voir tout sur GitHub. Ça s'appelle Nitro. Vous pouvez voir un lien sur la gauche, le nom de code Nitro. Il y a un QR code sur la droite. Vous pouvez l'utiliser. Comme on est dans une transition, une phase de transition technologique, je vais vous montrer ce qu'on utilise. Pour cette version, on utilise UGS pour le front-end et Node.js pour le back-end. Les deux communiquent avec GraphQL comme interface et on utilise une base de données back-end Neo. On a à peu près 4000 utilisateurs qui sont des donneurs actifs dans notre, pour notre organisation. Vous pouvez, on veut vraiment collaborer et vous pouvez venir nous rejoindre. On a un stand d'activité qui s'appelle l'Activity Pub. On peut par ce biais partager différentes informations et c'est pour un utilisateur, c'est vraiment pas important quel réseau vous rejoignez. On a différents réseaux. On a des meetings toutes les deux semaines avec différents fournisseurs comme Nextcloud et autres, et on discute de solutions et comment on peut implémenter des nouvelles fonctionnalités en commun. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre. On a aussi nos réunions hebdomadaires avec la communauté open source. On essaye vraiment d'onboarder des contributeurs open source qui peuvent nous aider à programmer, à faire des... On fait des vidéos, conférences. Merci et venez nous rejoindre. Merci. Le prochain, ça va être la vie privée sur iOS. Hi. Bonjour. So, alors, très rapidement, qui je suis? Je suis à la fois quelqu'un qui bosse sur la sécurité sur Apple et je suis aussi politicien et j'essaye d'aider les réfugiés. Donc, j'essaye de faire les deux. Je travaille pour une boîte. Alors, je vais vous montrer un peu mon app qui s'appelle My Privacy. Et donc, ça vous montre les différentes choses qui sont importantes sur iOS et les choses que les développeurs doivent savoir et que les utilisateurs devraient regarder et devraient s'intéresser. Donc, par exemple, calendrier, location, photo, etc., les accès à ces choses-là. Et surprenant, Siri. On doit aussi regarder Siri. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, Siri... ça a l'air simple. En fait, ça apparaît pour toutes les applications et c'est toujours allumé pour toutes les applications par défaut. Et en fait, ça doit être désactivé manuellement. Donc, c'est un peu bizarre parce que c'est différent des settings qu'on a dans l'app, des paramètres qu'on a dans l'app. On pense que ça ne fait rien, mais en fait, ça va directement chercher ce que tu fais dans l'application et ça va regarder les habitudes et ça va faire des propositions. Donc, c'est bien, mais en fait, c'est un peu chiant pour les utilisateurs. Donc, la plupart des choses que Siri fait, c'est directement sur l'appareil, c'est pas en ligne, donc c'est plutôt bien. Mais par contre, le son qui se transforme en texte, ça c'est quelque chose qui est fait en ligne, donc c'est bien de le savoir ça. Alors, en termes de permissions et de vie privée, ce qui est intéressant, c'est que ça va sur un set de permissions. Pour les photos, c'est pareil. Pour les événements, pour les contacts, etc. C'est plein de petites choses comme ça qu'il faut activer. Et donc, on peut voir si ça a été déjà demandé, si ça a été autorisé, si ça a été refusé. Il y a des choses qui peuvent le gérer et qui ont plus de contrôle dessus, qui sont, par exemple, le contrôle parental. Et donc, si ce n'est pas fait par le code de l'application, ça va crasher, donc ce qui est plutôt bien. Donc, ça va être visualisé pour l'utilisateur.
de cette façon avec le petit pop-up. Et ça, après, ça va être vérifié par Apple directement dans le processus de revue des applications avant de les publier sur le store. Et donc, c'est important de dire aux utilisateurs ce qu'ils font. C'est important de ne pas mentir à ces utilisateurs. Et donc, ça, on voit les paramètres de vie privée. C'est directement sur Xcode, on peut le voir. Ça, on peut aussi le demander une deuxième fois. C'est une bonne chose à faire, une bonne pratique de redemander aux gens de vérifier que c'est d'accord d'avoir la permission de faire cette chose-là. Ça ne va pas réafficher la pop-up, mais au moins, ça va afficher ça encore. Donc, on voit la vie privée directement sur l'app dont je vais parler. Ça va aussi vérifier le système d'autorisation. Il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on peut récupérer du metadata des applications. Donc, par exemple, si on récupère l'endroit, on peut le voir ici. Il faut aussi utiliser l'image picker. Si vous ne l'utilisez pas, alors les gens, du coup, vont devoir donner accès à tous les fichiers, et ça, c'est pas bien. Si vous voulez être un bon développeur, c'est important que vous preniez quelques données, mais pas tout le reste, vraiment ceux dont vous avez besoin, parce que ça, c'est ce qu'un mauvais développeur ferait. Et ne prenez pas d'informations dont vous avez besoin. Si vous êtes un développeur moche, c'est ce que vous faites, donc ne faites pas ça. C'est important que vous n'uploadez pas les fichiers dont vous n'avez pas besoin. Soyez un bon développeur. Aussi, faites attention à ne pas demander les permissions. Il y a aussi le contact picker, par exemple, qui vous permet d'accéder les contacts sans avoir les données. Donc, c'est une bonne façon de le faire. Les contacts ont aussi un endroit où ils sont, même s'ils n'ont pas l'atlong. On peut quand même récupérer les données. Donc ça, pas besoin de demander les permissions, encore une fois. Donc, c'est une bonne chose à savoir. Il y a aussi... par exemple, MapKit, qui permet de récupérer l'endroit où on est, la location. Et donc, ça sait déjà où je suis, même si je ne sais pas. Alors, on peut savoir que c'est peut-être par rapport à la région, mais non, c'est par rapport à l'adresse IP. J'aurais préféré qu'il me demande avant de mettre cette map cette carte centralisée, mais ils ne l'ont pas fait. Quand on demande l'autorisation, c'est important de toujours utiliser... Faites attention à ne pas toujours demander tout. Demandez d'abord si vous êtes d'accord et ensuite vous n'aurez pas besoin de demander encore. Donc faites gaffe à bien utiliser le request when in use parce que sinon ça ne va pas avoir toutes les options. Il y a aussi d'autres choses sur le calendrier. Si vous voulez savoir plus, parlez-moi, je suis là. Je serai vraiment très content de vous aider sur ça. Thank you for this animated slideshow. Nice. Prochaine session. Réseau TAN. Réseau d'arbres, de zones d'arbres. Bonjour, je m'appelle Ingo. J'aimerais partager une expérience avec vous. Ça s'appelle le TAN, le réseau d'arbres. C'est quelques images de vacances que je vais partager avec vous. Mais d'abord, qu'est-ce que le couplage capacitatif ? C'est le fait de passer une information entre un transmetteur et un receveur. Et on amplifie l'information, on l'envoie à un conducteur biologique avec... peu de résistance interne, ça fait du couplage capacitatif et ensuite on peut ressortir l'information, la décoder et la récupérer. Ça marche avec des êtres humains par exemple, mais ça marche aussi avec des plantes. Donc ce que j'ai fait à la Dynacon en Thaïlande, j'ai voulu essayer le couplage capacitatif avec des arbres. Mon expérience était d'abord faite sur du papier et ensuite je voulais l'utiliser avec des arbres, envoyer des informations d'un endroit de la jungle à l'autre partie de la jungle en utilisant les arbres comme réseau. Donc je voulais voir si ça pouvait fonctionner. Donc voilà la première expérience. J'ai connecté ce coupleur capacitatif sur les plantes
Bon, ça n'a pas vraiment marché. Je ne sais pas si vous voyez l'oscilloscope. Le signal est très, très faible. Voilà le deuxième essai. J'ai mis mon appareil, mon électrode autour de l'arbre un peu mieux. Et maintenant, on voit que le signal est beaucoup mieux. Qu'est-ce que j'ai pu faire ? J'ai pu transmettre des données du haut de l'arbre, quelques mètres de haut, vers le bas de l'arbre. Voilà le schéma, à quoi ressemble le schéma. Le transmetteur est un schéma à ondes courte portée. Et voilà à quoi ça ressemblait sur l'arbre. Donc j'ai le transmetteur qui transmet les données dans l'arbre et les envoie sérialement à un ordinateur pour les lire. Donc ici j'ai quelques données sur à quoi ressemblait l'implémentation. La deuxième étape c'était le costume pour les câlins. Donc on peut faire un câlin à l'arbre par exemple pour récupérer l'information de l'arbre au corps humain, et c'est ce qu'on a fait. Donc on a décodé l'information sans vraiment comprendre ce que c'était. Donc le scientifique lit l'information humaine en récupérant l'information sur l'arbre. Si vous voulez essayer ça vous-même, tout est documenté sur GitHub et sur mon site internet. Vous pouvez essayer, amusez-vous bien et merci beaucoup. Le prochain, c'est améliorer GNU Linux Unix. Bonjour, moi c'est Zem. Et donc comme vous voyez, il y a deux conférences, c'est très difficile de faire de la sécurité sur iOS qui marche. Et sur Linux, c'est pas forcément un problème parce que plein de fonctionnalités que iOS a ne sont pas sur Linux. Mais ça, c'est l'idée que les gens ont et c'est pas forcément vrai. Moi, je pense que sur Linux, on devrait aussi bloquer les applications pour qu'ils puissent espionner les gens. Donc la situation à l'heure actuelle, c'est que là, toutes les applications ont les mêmes permissions, que les périphériques USB sont récupérés automatiquement, que Xorg, c'est un cauchemar de sécurité, que les processus peuvent lire toutes les données de n'importe quel utilisateur et toutes leurs interfaces. Et il n'y a pas d'interface qui a besoin d'être exposée à tous les utilisateurs, à tous les programmes qui sont utilisés. Donc, à l'heure actuelle, il y a plusieurs projets qui sont développés. On a toujours un moyen de faire en sorte que les Unix, les utilisateurs Unix POSIX, on a App Armor, Clinux, KVM, USB Guard, Namespaces, Docker, Expra, Cubes, et plein de distributions Linux, voilà, comme Cubes, qui permettent de faire ça, qui permettent de bloquer et de mettre l'utilisateur complètement dans une bulle, ce qui permet d'aider à la sécurité. Et donc, j'ai quelques questions, moi, qui restent sur ces outils. Donc, par exemple, est-ce que vous vous rappelez qu'il y a une politique sur Unix qui dit qu'il faut une page de man pour chaque commande Unix ? Ce n'est pas forcément le cas. Et pourquoi est-ce qu'on a toujours XDM, GDM ? Pourquoi on a déjà tout ça ? Pourquoi on a toujours ces managers d'interface visuelle ? Ça n'a pas de sens d'avoir ce manager d'interface visuelle si on n'a pas besoin de changer la résolution de l'écran l'affichage. Si on n'a pas besoin, pourquoi c'est là ? Donc le kernel, le noyau va déjà tourner à la résolution qu'il faut. Donc pourquoi est-ce que on a besoin de ça ? On n'en a pas besoin. Alors, il y a aussi d'autres choses sur Linux. Pourquoi est-ce qu'il faut que je sois un expert pour avoir un GNUPG, une clé de GNUPG ? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être un expert ?
pour récupérer une clé d'authentification. Donc moi, je voudrais commencer d'une certaine façon. Je veux commencer par créer un petit mais efficace système qui va se lancer quand on lance son système d'exploitation comme les BSD. Je voudrais aussi rajouter un système de paquets, un gestionnaire de paquets qui permettrait d'installer des applications, créer un installeur facilement et pas forcément complet, mais au moins que ça commence. Et voilà, je voudrais commencer à discuter toutes ces idées. Je voudrais avoir ces choses-là sur GitLab pour que ce soit les gens puissent contribuer. Et donc, j'aimerais bien discuter avec vous. Donc, j'aimerais bien que vous veniez me voir à 11h30 du soir dans la salle Lecture Room M1. Et donc, j'aimerais bien qu'on discute là-bas. Et j'ai aussi créé et amélioré un canal d'information sur les améliorations de Linux. Et j'ai aussi cette email adresse linuximproves@fnordpol.de et vous pouvez aussi venir me voir à Vienne au MetaLab et on serait bien content de discuter avec vous les détails. Merci beaucoup. Next up is navigating in Linux kernel. Le prochain va couvrir la navigation dans la sécurité du kernel Linux. Hello. Bonjour. Alors, moi, c'est Alexandre Papouf. Je développe sur le noyau Linux et je fais des recherches sur la sécurité. Et donc, je voudrais en parler de comment est-ce qu'on peut naviguer dans les sécurités du noyau Linux. Alors, la sécurité du noyau Linux, c'est assez compliqué. Il y a plein de concepts clés. Il y a plein de vulnérabilités, des techniques d'exploitation, des techniques de détection de bugs et des techniques de défense. Donc il y en a qui sont directement dans le noyau Linux, d'autres sont en dehors. D'autres sont commerciales, certaines sont ouvertes. Et donc certaines ont besoin de matériel spécifique pour pouvoir marcher. Et donc toutes ces choses ont des relations complexes entre elles. Et ce serait vraiment bien d'avoir une représentation graphique et pour pouvoir naviguer vraiment dans la documentation du noyau Linux. Et donc j'ai créé une carte, c'est disponible sur GitHub. Alors les concepts clés dont j'ai parlé sont tous sur cette carte. La connexion entre chaque node de ces relations est visuelle. Cette carte visuelle est vraiment à propos de la protection du noyau Linux. C'est pas à propos du reste. Donc c'est assez compliqué, comme vous pouvez le voir. On peut pas vraiment le voir d'ici. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a certaines parties ici. Donc je vais vous montrer. Alors ça, par exemple, c'est des clusters de vulnérabilité. On peut voir qu'il y a des variables pour montrer les informations qui sont exposées, des numéros qui sont exposés, qu'on peut du coup rechercher facilement, et aussi les leaks d'informations et les fuites mémoire. Et donc ça, c'est tout expliqué. On peut vraiment voir toutes les vulnérabilités et c'est vraiment visuel. Et donc, il y a aussi un port statique que j'ai préparé pour le noyau Linux qui a été migré avec le numéro 200. Il y a aussi des mécanismes de debug qui ne sont pas vraiment là pour te protéger en production, mais qui c'est vraiment pour débugger. Donc ces technologies-là sont combinées et on peut les combiner et utiliser toutes ces idées pour trouver tous les bugs quand on fait des zero days. Alors, si vous êtes intéressé, j'aimerais bien que vous aussi vous jouiez avec votre noyau Linux et que vous lisiez des informations sur le sujet. Il y a plein de sources, il y a plein de listes de fonctionnalités qui affectent la sécurité et il y a plein de documentation qui vraiment juste parle de sécurité. C'est un document qui est très très bien et ça vous donne une image globale de comment marche le noyau Linux, quel but on veut achever quand on fait des applications. Il y a des listes aussi de des
des configurations du noyau Linux, et donc ça explique qu'est-ce que ça fait quand on les allume, c'est que ces différents paramètres de la configuration. Et il y a aussi une checklist, une liste de tous les problèmes de sécurité qu'il y a et est-ce qu'ils ont été réglés ou pas, et aussi une liste des projets libres sur le sujet. C'est pas vraiment marrant de regarder dans les fichiers de configuration et d'essayer de trouver toutes les options et tout ça. Donc, c'est mieux de laisser les ordinateurs de le faire. Donc, j'ai fait un script qui va directement regarder les fichiers de configuration et va voir si les recommandations sont appliquées sur votre propre noyau Linux. Donc, on peut le lancer directement avec vos fichiers de configuration, on peut voir les recommandations, et ensuite, vous pouvez aller sur la carte, regarder ce que c'est, et voir où sur la documentation, qu'est-ce que vous devriez lire sur cette fonctionnalité en particulier, et voir ce que vous voulez faire après. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez venir me voir au congrès. Vous pouvez aussi m'écrire des emails. Je sais que vous aimez bien les emails juste en texte. Et évidemment, amusez-vous bien au congrès. Merci. Next up is pass the cookie. Donc, notre prochaine session, c'est passer moi le gâteau et pivoter vers le cloud. Hello everybody. Un jeu de mots entre cookie et gâteau. Je suis un ingénieur sur la sécurité et spécialiste de pénétration. Donc, je voulais vous parlez de la technique de la transmission de cookies sur laquelle je me suis spécialisé et comment protéger son infrastructure mieux. Qu'est-ce qu'un cookie ? Tout le monde sait ce que c'est. C'est utilisé pour la sécurité, l'authentification, pour les serveurs web. Donc en général, c'est vraiment la clé unique pour le royaume. Donc si vous arrivez à voler la clé, vous pouvez rentrer avec tous les privilèges. Donc pendant un temps, on a commencé à vraiment développer le SSL par défaut et de manière beaucoup plus répandue. Mais certaines techniques... Qui d'entre vous utilise AWS ? Un cookie peut être vraiment la clé unique pour rentrer dans le data center. Ça peut être la clé pour rentrer dans le bâtiment entier. Si vous utilisez des crypto-monnaies, ça peut être le moyen de s'authentifier vers votre portefeuille. Donc, qu'est-ce que le... Pass de cookie, c'est un peu comme la transmission de hash, c'est la même méthode. Donc un attaquant peut vouloir récupérer des informations très intéressantes en récupérant les cookies qui protègent des informations critiques. Comment on peut récupérer ces cookies en premier ? Donc, c'est une technique d'exploit, de post-exploit. Donc, par exemple, si on a une attaque de type phishing, l'adversaire peut pivoter au sein de l'environnement et prendre contrôle de différents éléments. Mais ils n'ont pas encore pivoter dans le cloud, ce que j'appelle pivoter dans le cloud. Donc, ils n'ont pas encore les accès au compte, par exemple, AWS. On peut, par contre, utiliser le cookie et le pivoter pour accéder à l'infrastructure cloud. Manière pour le faire, c'est le process dump qui est très simple, mais les cookies ne sont pas toujours dans le process du navigateur. Donc, ça peut être dans une application dédiée pour le chiffrement, pour l'authentification. Comment est-ce qu'on transfère, du coup, ce cookie ? Avant, il fallait vraiment des outils compliqués. Maintenant, c'est très simple. Il suffit d'avoir
une commande ou même dans Chrome, c'est une simple API qui permet de transférer les coquilles. Donc moi j'ai un Mac, donc j'ai utilisé des techniques pour le faire sur Mac. J'ai par exemple quelque chose qui s'appelle Cookie Crimes qui permet de voler les différents cookies. Donc ici on a une description très simple. Vous allez sur le site GitHub non authentifié, vous faites un rafraîchissement de la page, vous faites le transfert de cookies et ensuite vous rafraîchissez la page et vous êtes logué. Donc, quelle est l'anatomie d'un breach au niveau du cloud, donc d'une pénétration au niveau du cloud? L'attaquant a récupéré un cookie en ayant compromis le compte d'un administrateur et en utilisant ce cookie, il peut accéder au cloud. Donc, je me suis fait ce petit tableau récapitulatif avec mes petites informations pour chaque plateforme et les informations nécessaires pour commencer mon travail. Donc ici, vous voyez les pages web intéressantes où les cookies peuvent vraiment être intéressants pour récupérer beaucoup d'informations. Parlons de détection, les choses qu'on doit faire, c'est on peut peut-être devoir faire un dump de processus, accéder aux anomalies et au stockage des cookies et passer l'authentification. Les suppressions de cookies régulières est important pour les supprimer de la machine. Supprimer les cookies de session également, très important. Mais c'est important d'être administrateur et d'être le seul admin sur la machine. N'utilisez jamais votre ordinateur de société. Merci. Thank you. Next up is war on drugs. Le prochain, ça va être sur la drogue, on dirait. Hello. Bonjour. The full title of the talk is War on Drugs. Le nom de la conférence, c'est la guerre sur les drogues. Et après 50 ans de fake news et de propagande, donc on doit décider nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut faire. Quelle est votre valeur? Donc moi, personnellement, je pense que c'est important d'avoir le choix et la liberté d'expression et d'éducation. Il y a plein de recherches scientifiques. Celle-là, par exemple, c'est à propos de du gras et du sucre. Et donc, évidemment, l'industrie du sucre a dit que c'était le gras qui vous rendait gras. Mais en fait, ce n'est pas le cas, parce que le gras a besoin d'être dans votre régime, dans ce que vous mangez, pour que vous soyez en bonne santé. Donc ça, c'est une pub, par exemple, qui a 50 ans. Alors, évidemment, votre docteur va fumer des camels. La personne qui faisait la pub de Marlboro, au final, est morte d'un cancer. Et donc, ça, c'est une citation qui est importante, qui a plus de 50 ans. Et donc, c'était le président Nixon à l'élection. Et il disait que c'était illégal d'être contre la guerre. Et donc, c'était pour ça qu'il fallait continuer la guerre au Vietnam. Et ils ont bloqué les drogues. Et du coup, c'est à cause de ça, ça a continué la guerre. Et en fait, ils ne pouvaient pas les mettre en prison. Donc, ils ont trouvé une excuse en rendant les drogues interdites. Donc, ça, c'est les prisons. Donc, on fait de l'argent en mettant des gens en prison. Et donc, en fait, à cause de ça, ça fait que de plus en plus de gens vont en prison. Et donc, ça, c'est un cercle vicieux. C'est complètement n'importe quoi. Et moi, je vous encourage à penser et à réfléchir à où va l'argent. Et je vous dis, si vous suivez le fil de l'argent, vous comprendrez ce qui se passe. Et donc, ce système un peu pervers, à cause de ça, a poussé des enfants à être en prison.
Et maintenant, on a des petits changements dans la loi grâce à Internet qui nous a poussé à communiquer librement. Et donc ça, c'est par exemple la légalisation du cannabis aux États-Unis. Dans plein d'États, c'est illégal ou alors c'est légal, mais juste pour des raisons médicales. Et la perception que les humains ont sur le cannabis a aussi changé. En Angleterre, ils sont en train de le légaliser. Le 1er novembre, ça va changer. En Mexique, en Afrique du Sud, ça change. Donc, de plus en plus, ça devient légal. Le cannabis devient légal. Donc ça, c'est juste le cannabis. Mais je parle du modèle économique de l'industrie pharmaceutique. S'ils ont le contrôle sur les drogues, donc les médicaments, ils n'ont pas de raison, en fait, de les rendre légales. Par exemple, ça, c'est la kétamine qui est utilisée pour les dépressions. Ça, c'est pour la PTSD. Ça, c'est pour les gens qui ont des maladies terminales. Et ils savent qu'ils vont mourir, mais en fait, ils utilisent des médicaments avec effet psychédélique qui leur permettent d'accepter plus facilement la mort. Et donc, ça leur donne l'impression que leur esprit va continuer à vivre même si leur corps meurt. Et en fait, ça les aide à mourir. Et donc, c'est des recherches qui ont poussé que ça marchait, on le sait. Et donc maintenant, on continue à faire des recherches et on teste les musiques qui marchent pour les gens qui vont mourir. Donc ça, c'est une playlist qui marche bien. Il y a des bouquins sur le sujet, sur DMT. Ça, c'est une métaphore pour moi. Pour moi, en fait, on a le télescope pour regarder les étoiles, on a un microscope pour regarder les objets très petits, mais en fait, on regarde toujours. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'on peut utiliser, le microscope qu'on peut utiliser pour le cerveau. Donc ça, c'est une technologie pour le cerveau, ça, c'est des connexions visuelles sur des cerveaux, ça, c'est des articles sur le sujet. Et ça, si vous voulez rester connecté avec les communautés psychédéliques, vous pouvez en apprendre plus sur les communautés psychédéliques. Et c'est important que vous fassiez aussi vos propres recherches sur les drogues et que vous vous preniez vous-même. Merci beaucoup. Thank you. Now the next talk is not going to be a talk, but rather an experiment. La prochaine session ne sera pas vraiment un talk, mais plutôt une expérience, une des rares fois où on donne notre hardware à quelqu'un d'autre. C'est le dernier event dans cette session, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec quoi que ce soit, vous pouvez partir sans rien toucher. Bon, je sais pas, je vais juste y aller et je vais les laisser travailler. Ah!
Right, thanks. So, merci. Applaudissements. And that's the end of our session today. Thank you for being. C'est la fin de notre session aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les présenteurs. Merci à tous ceux qui sont venus sur scène aujourd'hui et merci aussi à vous d'avoir suivi notre traduction française réalisée par les Gilets Roses. Vous pouvez nous donner.